La chasse sous-marine aux îles Abibas. Le peuple oranaise présente l'un des sites les plus intéressants de la mer Méditerranée quant à la pratique de la pêche sous-marine. Les îles Abibas sont connues par les initiés pour être une des zones les plus poissonneuses et un grand champion français l'a nommé le nec plus ultra de la chasse sous-marine en Méditerranée. Les îles Abibas se situent à l'ouest du port d'Oran, à environ 28 milles de distance et au plus près 8 km de la côte oranaise, au nord du lieu-dit Nader ou Madak. Elles sont donc à 1h30 du port d'Oran par vedette rapide ou 3 à 4 heures par bateau de pêche diesel. En Zodiac, de la côte à partir de Madère, elles y sont à 20 minutes. Elles sont donc d'accès facile, sauf en cas de mauvais temps. Sur place, elles présentent des abris. Contre les forts vents d'ouest, le quai est très sûr. Pour les grosses houles de Nordée, la plage de la Morte à l'ouest de l'île principale est sécurisante. L'île est habitée en permanence par les gardiens du phare et les pêcheurs petits métiers qui y séjournent suivant les saisons de pêche. Le séjour bivouac y est possible en amenant les équipements nécessaires. La faune sous-marine
aux habitants. Dans les petits fonds de 3 à 12 mètres, nous rencontrons toutes les variétés de poissons de la Méditerranée, poissons à trous et poissons curieux à la gâchon. La flore varie depuis les pierres blanches calcaires nues aux nombreuses variétés d'algues. Le relief y est très accidenté et présente une bonne protection pour les poissons sédentaires tels que les petits mérous en quantité innombrable. Mais comme dans toute la Méditerranée, hélas, la pollution qui sévit depuis quelques années. On peut dire que désormais, les eaux sont moins claires que par le passé, sauf les jours de grands courants nettoyeurs. Les îles présentent encore de nombreux beaux jours pour la pêche, mais il ne serait pas inutile de prévoir dans un avenir proche une mise en réserve de cette île pour une période déterminée de l'année. Nous pensons notamment au trimestre juin, juillet, août, période de prêt de la plupart des espèces. Car, comme disait un jour un jeune philosophe d'Oran, il faut entretenir l'arbre qui nous donne ses fruits pour longtemps. Elle embrie. Petit mérou abrité dans les failles. Des murènes majestueuses, l'air menaçant mais inoffensif. Des nuées de castagnoles précédant une petite badèche venue nous saluer. Des sars, des tambours, des pécois, idéal pour la gâchon. Des multitudes de bogues sur les hauts fonds. Les bains de rouget. Les vallées où s'abrite Sahara. Et mérous. Les bossards tambours au bas des tombants. Les grandes pailles ou broutes, les pécois.
les trous à vieille ou rocaou. Les rades à Corvin, les nombreuses vidriades de belle taille, et les grottes à cigales, les tombants au sommet desquels peuvent virer les bancs de poissons limons ou liches. Tous ces poissons, pour le régal des jeunes chasseurs novices pratiquant dans les petits fonds. Vers 15 mètres et au-delà, domaine des athlètes de la mer, vous pourriez rencontrer alors de beaux spécimens. Les grandes badèches aux reflets blancs ou jaunes, des mérous plus conséquents, quelle émotion devant une belle badèche comme celle-ci, de 4 à 5 kilos. Quelle élégance, quelle majesté. À la voir évoluer ainsi, on hésiterait à tirer. Mais l'instinct prend le dessus. Quel tir magnifique, quelle bataille. Ainsi va la vie jusqu'à la mort.
profondeur aussi, des grosses vieilles ou labres. Domaine des grossards se déplaçant en solitaire ou en banc, suivant les circonstances. Et de notre lion des mers, le royal mérou, la grosse pièce, l'espoir et le danger dont rêve tout chasseur. Celui-ci fait 12 kilos, il regagne son antre. Admirez l'œil furtif et ce pagre rayé du grand fond. Quelle rareté! Se feront un plaisir de vous recevoir et vous assister, amis chasseurs. Il n'y a pas encore de tradition touristique bien organisée ici. Et c'est tant mieux. Cependant, chez l'habitant et sous son aile protectrice, vous pourriez passer certainement des moments inoubliables de soleil, de mer, de chasse, de pêche et de bivouac. Cela vaut pour l'émeute tous les clubs méditerranéens du monde. Vos souvenirs seront certainement la meilleure publicité de ce paradis sous-marin que sont les Abibas. Nous remercions nos athlètes pour leur gentille collaboration à la réalisation de ce vidéogramme, à la pérennité de nos Abibas. Et pour vous, amis chasseurs qui nous regardez, sachez que vous serez toujours les bienvenus à Oran. Durant toute l'année, où nos côtes sont particulièrement praticables, en hiver, pour traquer les loups et les gros mérous abrités dans les petits fonds. Au printemps, à la saison des cigales, des dentis, des brochets, l'été des grandes coulées sur les troupeaux de badèches et sur les énormes liches, dans les tombants, l'automne enfin, la meilleure saison pour tous les poissons et tous les fonds, et aussi pour ce fameux climat oranais.
renseignements complémentaires, adressez-vous à la Ligue des activités sous-marines, MOL de la Capitainerie, Cœur d'Oran, téléphone 213 6 39 67 11 ou à Monsieur Henri Fernandez à Oran, téléfax 213 6 33 48 87 et en France